Moteur asynchrone. Le couplage d'un moteur asynchrone peut être triangle, étoile ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale du moteur. Couplage du moteur asynchrone, étoile ou triangle. Tension nominale du moteur et tension de réseau. En couplage triangle, chaque enroulement du moteur asynchrone voit directement la tension appliquée. En couplage étoile, chaque enroulement voit une tension réduite, divisée par racine de 3. Note, le neutre n'est jamais utilisé. Couplage étoile ou triangle, le bon choix. Pour les couplages étoile ou triangle du moteur asynchrone, les différents cas sont possibles. Tension égale, couplage étoile. Quand les tensions réseau et nominales du moteur sont égales, on choisit le couplage étoile. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 230 V, 400 V, couplage étoile. Ici, la tension est de 400 V entre phases. Or, chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage étoile. Si on utilisait le couplage triangle, chaque enroulement subirait 400 voltages à ses bornes et serait détruit. Plus petite tension moteur égale plus grande tension réseau. Quand la plus petite tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus grande tension réseau, donc la tension entre phases, on choisit le couplage triangle. Exemple, moteur 230 V, 400 V sur réseau 127 V, 230 V, couplage triangle. Ici, la tension est de 230 V entre phases. Or, chaque enroulement a besoin de 230 V pour fonctionner. On choisit donc le couplage triangle. Couplage impossible. Plus grande tension moteur égale plus petite tension réseau. Quand la plus grande tension nominale du moteur asynchrone est égale à la plus petite tension réseau, donc la tension entre phases, aucun couplage n'est possible. On ne peut pas utiliser ce moteur asynchrone. Exemple, moteur 230 V, 400 V, sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible. Aucune tension commune. Quand aucune tension n'est commune, aucun couplage n'est possible. Exemple, moteur 127 V, 230 V sur réseau 400 V, 690 V, couplage impossible, moteur détruit. Parenthèse fermante point. Par ailleurs, un moteur asynchrone 400 V, 690 V n'aura jamais assez de tension à ses bornes avec un réseau 127 V, 230 V, quel que soit le coût.